Nous effectuons une crue artificielle aujourd'hui dans la petite Sarine pour des avantages environnementaux liés au charriage de matériaux. Et l'idée, c'est toujours que cette continuité sédimentaire, finalement, elle se fasse dans tout le cours d'eau. Or, quand il y a un barrage, bah forcément, les cailloux restent bloqués derrière. Le but, c'est d'améliorer cette situation-là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus observer, c'est un grand attrait scientifique. Donc, ils sont venus ici pour comprendre mieux ce processus, pour comprendre est-ce que c'est des mesures qui sont efficaces et est-ce qu'on utilise l'argent public de façon efficace. Et aujourd'hui, on a la présence donc de l'EPFL, de l'EAVAG, l'Université de Zurich et aussi la Haute École des sciences appliquées de Zurich. Les avantages pour la nature, c'est qu'une fois qu'on connaît mieux comment elle fonctionne, comment justement se déplacent ces matériaux, alors on pourra répéter l'opération et essayer d'assainir une situation qui est aujourd'hui déficitaire à ce niveau-là, dans la petite Sarine.